see, don't wait. Wait, I see we have your stuff. Wait, wait, wait. Jouer à ça, on s'est retrouvés dans une boutique de piercing, tu t'en souviens? Bien sûr, comment je l'aurais oublié? Il nous a fallu une heure pour la convaincre qu'un anneau dans le nez n'ajouterait rien à son incomparable beauté naturelle. Soyez sans crainte. Cette fois, pas d'excentricité, c'est une bonne surprise. Le suspense a assez duré, vous pouvez enlever vos bandeaux. On y est! Tada! Hein? On est à Hollywood Milkshake Palace, et alors? Clover, je vois pas où tu veux en venir, t'es en manque de protéines, t'as soif? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Je suis là pour m'inscrire à un concours de beauté. Et vous, vous êtes là pour me soutenir. Tu veux devenir Miss Milkshake? J'espère que tu plaisantes. Tu sais bien que ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Je suis tout à fait d'accord, mais je ne plaisante pas. Et d'ailleurs, en voyant les autres participantes, je me dis que j'ai toutes les chances de gagner. À ta place, je ne me réjouirai pas trop vite, Clover. Sache que je me présente aussi à ce concours et je suis bien décidée à gagner. Rien ni personne ne pourra m'empêcher d'être couronnée Miss Milkshake et de commencer une carrière de mannequin. Mets-toi bien ça dans la tête. Alors tu te vas sur les magazines? Exactement, et ça c'est du tout vu parce que ça s'est toujours passé comme ça. Toutes les filles qui ont remporté ce titre sont devenues top modèles et j'ai bien l'intention de faire comme elles. Merci beaucoup, monsieur. Tu ferais mieux d'aller te cacher avec tes affreuses bottes en simili sky, je les trouve d'un mauvais goût. Moi, la seule chose que je trouve de mauvais goût, c'est ta mauvaise foi. Tu cherches des prétextes pour essayer de me décourager, mais tu perds ton temps. Allez, pousse-toi de mon chemin, tu me gênes. Venez, les filles, on va aller fêter ma victoire par anticipation. Tu rêves. Elle se prend pour qui, celle-là? Elle a un de ses culots? J'en reviens pas qu'elle ait laissé entendre que tu portais des chaussures de mauvais goût. Pourquoi pas un look ringard tant qu'elle y est? Pour nous changer les idées, quittons au plus vite le centre commercial et offrons-nous une séance de manucure. Ça nous calmera les nerfs. Tu es géniale, Sam! Sûrement trompé d'étage, je me souvenais pas que le parking était aussi sombre. Non, on n'est pas au sous-sol, Alex. Enfin, pas au parking, à mon avis, on n'est même pas au centre commercial. Bonjour, mademoiselle. Jerry, on aurait dû s'en douter. Ah, moi aussi, je suis content de vous revoir. Permettez-moi de vous expliquer brièvement votre prochaine mission. Ben, je crois qu'on peut oublier la manucure. D'après l'information qui vient de nous parvenir, une douzaine de top modèles se sont littéralement envolées au cours de ces dernières 24 heures, n'est-ce pas? Comment ça, envolées? Nous sommes en route pour New York, où se déroule un événement capital pour l'industrie du prêt-à-porter, la semaine de la mode. Votre mission sera d'infiltrer le milieu très fermé du mannequinat en vous faisant passer pour des journalistes. Grâce à cette couverture, nous devrons essayer d'éclaircir cette histoire d'enlèvement. Voilà, exactement. Faisons l'inventaire de vos gadgets. Cette fois, vous disposerez d'une ceinture bungee à magnéto-ressort en simili-peau de serpent, d'un gilet à la fois auto-gonflant et super-gonflant, d'une bague protecteur d'hologramme, d'une paire de faux bottes en titane pour le cas où vous auriez à creuser un tunnel. Ce n'est pas une éventualité à écarter, hein. Et l'élément le plus sophistiqué, une paire de lentilles à rayon M. À rayon M? Il permet de voir à travers le métal. M, métal. Sur ce, je vous laisse. Bonne chance, les Spice, et à bientôt. On reste en contact. Toujours des contrôles de sécurité, mais à ce point-là, c'est ridicule. C'est probablement à cause des enlèvements. C'est incroyable, il y a vraiment un monde fou. Ils sont tous venus voir la nouvelle star des top modèles, elle s'appelle Gazelle. Gazelle? Oui, cette pèse vient à peine de débarquer dans le métier et elle nous a déjà volé la vedette dans tous les défilés. Le public n'en a plus que pour elle et les autres mannequins et moi, nous n'avons presque plus de travail. Oh. Ah, enfin ça commence. Il faudrait trouver un meilleur point de vue.
mieux de la surveiller, Alex. T'as raison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'enlever ses gants. Tiens, c'est bizarre. Quoi donc? La peau de ses mains et de ses bras est de différentes couleurs. De différentes couleurs? Tu veux dire comme si elle avait mal étalé son auto-bronzant? Non, de différentes couleurs dans le style patchwork comme la fiancée de Frankenstein. Elle est peut-être pas si parfaite que ça après tout. Il faut voir ça de plus près. Allons faire un petit tour en coulisses. Rappelez-vous, on est censé être journaliste de mode. Soyez professionnel. C'est affreux. On ne doit pas avoir la même conception du mot professionnel, Clover. Bonjour Gazelle. Je m'appelle Sam, je travaille pour le magazine Tendance Actuelle et je tenais à vous dire à quel point j'ai apprécié votre prestation. Merci, c'est très gentil, mais tout le mérite en revient à mon agent. Je lui dois absolument tout. J'ai eu de la chance, sans lui, je serais rien. Oui, et sans elle, je ne serais rien non plus. Je suis Helmet de l'agence Physique Parfait. Je représente Gazelle. C'est grâce à elle que notre agence est devenue aussi célèbre. Vous recrutez des mannequins? Voilà, c'est ça. Donc vous allez pouvoir me dire si j'ai tout ce qu'il faut pour en devenir un? J'ai une théorie personnelle. Selon moi, tout le monde a quelque chose de parfait dans son physique. Chez vous, ce sont les jambes. Alors je peux faire carrière? J'ai l'étoffe d'un top modèle? Non, je n'irai pas jusque-là, désolé. Allons-nous-en, Gazelle. Tu as l'air si épuisée. Attendez, Gazelle! Vous avez perdu votre oreille? Oreille? J'ai envoyé l'oreille au laboratoire d'analyse du Whoop. Prochaine étape, il faut mener une enquête sérieuse sur l'agence Physique Parfait. L'agence Physique Parfait? Mais comment est-ce qu'ils ont osé? Avouez que c'est faire de la publicité mensongère que de se donner un nom pareil. Et ce Helmet, là, ce prétendu agent, c'est un incapable, un imposteur. Il ne sait pas voir le potentiel d'un mannequin en puissance quand il en croise un. Et comment tu le sais? Il peut dire ce qu'il veut, je suis absolument convaincue d'avoir tous les atouts nécessaires. Livraison spéciale. Hein? Un courrier, ça vient du Milkshake Palace de Beverly Hills. Génial, ça alors pour une bonne nouvelle? Je suis finaliste du concours Miss Milkshake, j'ai été sélectionnée! Ah voilà la preuve irréfutable que je l'étoffe d'un mannequin! Arrête! Aïe! Qu'est-ce que t'as? Oh rien, c'est pas grave, juste une petite égratignure. Encore heureux? On ne voudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit de grave à notre futur prix de beauté. Dommage, mais on a eu raison d'essayer, même si c'était gonflé. Justement, en parlant de gonfler, tu pourrais me libérer de ce truc? Aidez-moi! Vite, regarde dans l'hélico. Tu vas peut-être repérer quelques indices. Il y a le logo Physique Parfait sur le blouson du pilote. Il vaut mieux avertir Jerry. Alors les filles, comment trouvez-vous New York? On vous dira ça quand on aura fait du tourisme, on vient d'enlever Clover. Oh non, ça remet ça, c'est la deuxième fois ce mois-ci. Jerry, est-ce que vous avez des renseignements sur l'agence Physique Parfait? Voyons, apparemment sa directrice est un ex-mannequin, elle s'appelle Tilda Tate. Et le siège social est à Sydney, en Australie. Nous sommes journalistes au magazine Tendance Actuelle et nous voudrions voir Tuesday Tate. Oh. Vous n'avez pas de rendez-vous, je regrette, mais vous allez devoir quitter les lieux. J'ai une drôle d'impression. Quelque chose chez cette femme m'était vraiment familier. Et moi, m'était vraiment désagréable. Elle est odieuse. Quoi qu'il en soit, il va nous falloir trouver un autre moyen d'entrer dans l'agence. Il n'y a pas à dire, rien ne vaut un bon accessoire. Oh.
Ça ressemble plus à une clinique sophistiquée qu'à une agence de mannequins. Oh ! Allons regarder dans cette pièce. Hé, regarde ! Est-ce que toutes les deux sont de gazelles ? Si c'est le cas, on peut dire qu'elle a une double personnalité. J'ai l'explication. Liste des donneuses au profit de gazelles. Stacy, Aimée, Anna, Kelly, Gretchen... Ici Sam, j'écoute. Bonjour les filles, j'ai du nouveau pour vous. L'oreille que vous m'avez envoyée appartient à l'un des mannequins enlevés la semaine dernière. Nous l'avons identifiée, elle s'appelle Gretchen. Sam, tu viens juste de dire son nom. Il y a quelques secondes, il est sur la liste des donneuses. La liste des donneuses? Non, arrête, je sais à quoi tu penses, mais c'est impossible, oublie ça. Puis-je vous aider, mesdemoiselles? Oui, certainement. Nous sommes journalistes au magazine Tendance Actuelle et nous sommes venus vous demander de... Nous accorder une interview. Je vous l'accorde, mais soyez brève, je dois partir recruter des mannequins en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai entendu dire que vous-même, vous avez été mannequin. Pour quelle raison avez-vous arrêté? Je me suis blessée à la jambe il y a 2 ans, au cours d'une séance photo qui avait pour thème le cirque. J'étais censée jouer le rôle d'une dompteuse. En fait, c'est le lion qui m'a domptée. Admirez le résultat. Ah, vous vous êtes reconvertie. Parlez-nous de votre agence. Comment expliquez-vous sa rapide et soudaine notoriété? Tuesday à l'appareil. Oh, oui, oui, je vois. Ça ne vous ennuie pas de passer dans la salle d'attente pendant que je prends cet appel? Non, pas du tout. Pas de problème. Ces deux-là ne me reviennent pas, je m'en méfie. Si tu as un doute, il vaut mieux les éliminer. Je crois que notre interview va être encore plus brève que prévu. Il faut retrouver Clover avant qu'il soit trop tard. Attrapez-les. Il faut inspecter la zone interdite qu'on a vue tout à l'heure. Elle donnait dans le hall, on doit plus être très loin. L'agence physique parfait vole des corps humains. C'est comme ça qu'ils ont fabriqué Gazelle, avec des pièces détachées. Et maintenant, il y en a une qui se balade avec mes jambes parfaites. T'inquiète pas, on va mettre un terme à cette mauvaise plaisanterie. Je pense qu'elle peut durer encore longtemps. Nous n'allons pas prendre le risque de vous laisser filer. Vous iriez raconter notre secret au monde entier. Pourquoi vous faites ça? À quoi ça vous sert? C'est d'une simplicité enfantine. Mon objectif est de créer une troupe de mannequins parfaits afin de régner en maîtresse absolue sur l'industrie qui a anéanti ma carrière. Pourquoi vous vous êtes pas contentée de voler une seule jambe? Ça aurait tout de même causé moins de problèmes. Bien évidemment, oui, mais j'en aurais éprouvé beaucoup moins de plaisir. Une vengeance diabolique, c'est plus amusant. Votre plan est condamné à l'échec. Je parie que cette petite démonstration vous fera immédiatement changer d'avis, très cher. Hé, ce sont mes jambes, voleuses! Rectification, mademoiselle. C'était vos jambes. Maintenant, elles appartiennent à l'agence physique parfaite, tout comme certains attributs de vos amis dans un instant. Préparez-vous à être modélisée, jeune fille. Intéressante que je compte recruter lors de la convention internationale d'Auckland, vous m'êtes inutile, je vais me débarrasser de vous. Vous allez vous débarrasser de nous? Sans hésiter, vous allez participer à des festivités aquatiques. Un banc de requins affamés vous attend en plein cœur de l'océan pour déjeuner. Vous, je sais pas, mais moi je me sens pas du tout prête à satisfaire l'appétit d'un requin. Moi non plus, Alex, j'ai pas envie d'en arriver là, même si mes jambes ressemblent maintenant à 2 énormes saucisses. Fais-moi confiance, on va sortir de là et on a rien de temps. D'accord, je te fais confiance, mais promets-moi de ne plus sourire tant que tu porteras ces éblouissantes bagues métalliques. Qu'est-ce que c'est?
Richmond, il reste qu'une chose à faire, mettre le cap sur la Nouvelle-Zélande pour arrêter Tuesday. Excellente idée. Il y a juste un détail à régler. Maintenant que vous avez assommé le pilote, qui on va mettre aux commandes de l'avion? Pourquoi c'est moi qui pilote, c'est pas juste? Eh ben parce que t'es notre meilleure chance de réussite, les pédales sont très dures et t'es celle qui a le plus de force dans les jambes. Ah oui, d'accord. Votre peau a une texture extraordinaire. Elle nous sera d'une grande utilité. Quant à ses orteils, je n'en ai jamais vu d'aussi mignon. Un pur produit physique parfait. Je savais qu'ici la récolte serait bonne. Entrez, jeune fille, entrez. Donnez-vous la peine de prendre place dans notre modélisateur. Nous allons prendre de magnifiques photos. N'oubliez pas de sourire. Ça devrait largement suffire. Encore quelques minutes de patience et nous aurons toute une armée de top modèles au physique parfait. De modélisation est rapide et l'ennui c'est que lorsqu'il est à son terme, c'est irréversible. C'est une nouvelle fonction que je viens de lui ajouter. Qu'est-ce que tu fais, Sam? J'essaie de localiser le cristal avec le scanner digital du com poudrier. Ça y est, je l'ai repéré. Allons délivrer les donneuses. Hé, qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? Ne vous inquiétez pas, nous allons en prendre soin. Tu veux vraiment laisser tomber le concours? Tu vas pas le regretter? Absolument pas. Après avoir mûrement réfléchi, j'ai réalisé que j'en avais par-dessus la tête, des concours de beauté, des mannequins. Oh, je suis vaccinée, j'en ai assez de cette ambiance malsaine. Et puis de toute façon, à quoi ça me servirait? Depuis que j'ai récupéré mes jambes, je sais que j'ai un physique idéal. Alors, j'ai pas besoin de l'avis d'un jury, vous êtes d'accord? J'ai toujours su que tu étais belle et intelligente. Dommage que vous ayez renoncé, parce que vous aviez gagné. Mais comme vous avez officiellement annulé votre candidature, je vais devoir remettre le chèque de 25 000 $ et le coupé sport flambant neuf à une autre. Celle qui repartira en volant de ce bolide avec le chèque en poche est Mandy. Je suis si heureuse. Merci beaucoup à toutes et à tous. 25 000 $? Hé, attendez, j'ai dit ça pour rire, c'est une petite blague, une petite plaisanterie. Je veux être Miss Milkshake. Et voilà. Tout à coup, elle n'a plus l'air de trouver malsaine l'ambiance de ces concours. Mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Eh bien, sans vouloir abuser de votre gentillesse, commencez par nous donner la jolie liasse que vous avez dans les mains. Mais qu'est-ce que vous faites? Que personne ne bouge! Alors, qu'est-ce que vous en dites?
C'est assez inattendu, une chose est sûre, c'est chatoyant. J'espère bien que cette tenue éblouissante rappellera au nouveau son pays d'origine. Et d'où il vient, ça m'a échappé. Il arrive du Texas. C'est décidé, je me lance. J'ai un truc à te proposer, Billy Bob. Si t'as rien de prévu demain soir, peut-être que ça te dirait de venir danser avec moi. Mais pas autour du feu de camp, hein, dans le style Beverly. Pour sûr, c'est très sympa de ta part de m'inviter, Mandy. Je serai ton cavalier. Génial, je passerai te prendre à 8h. Salut. Comment as-tu osé copier mon look, Mandy? T'es qu'une voleuse d'idées. Navré, Clover, mais j'étais branchée Texas bien avant toi. C'est vrai, d'ailleurs, Mandy a toujours été créative. Elle a pratiquement inventé le strass. Elle innove et on la suit. Oh, de toute façon... Billy a manifestement fait son choix entre nous deux. Cette fille est une voleuse de look, ça se passera pas comme ça. Je vais lui faire avaler ses paillettes. Hein? Excuse-moi. Super, il manquait plus que ça. Aujourd'hui, je me sens tout à fait d'humeur. D'humeur à remplir une nouvelle mission d'espionnage ridicule, merci. Vous n'en avez aucune idée? Je veux rafraîchir la mémoire, les filles. Coucou, c'est nous! Si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. C'est pas nous, on n'a jamais dévalisé une banque. Je suis très peiné, les filles. En vérité, vous m'avez beaucoup déchu. Allez-y. Enfermez-les dans la cellule électromagnétique. Elles y resteront jusqu'à ce que nous les ayons reprogrammées. Comment ça, reprogrammées? Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous allons vous implanter une puce de contrôle neuromagnétique dans le cerveau. Elle supprimera la moindre de vos pulsions agressives et cela de façon définitive. Je regrette, votre sort n'est plus de mon ressort. Oh, ces horribles bottes aimantées sont totalement cyber-répulsives, c'est empoisonnant. Pas autant que la puce neuromagnétique qu'ils veulent nous implanter dans le cerveau, c'est réjouissant. Il faut absolument sortir d'ici et mettre la main sur ces 6000 spies. C'est la seule façon de prouver notre innocence. Pff, bah bonne chance. Une seconde, j'ai une idée. Hé, qu'est-ce que tu fais? T'as court-circuité les bottes. On peut marcher normalement. C'est déjà ça. Mais on est toujours prisonnière dans cette cellule. Attends, pas pour longtemps. Mais... C'est pas avec ses bottes à franges que Mandy pourrait faire ça. Elle s'échappe, code 9, alerte, code 9. Attrapez-les, il faut leur implanter ces puces dans le crâne. Tout droit. Vite, récoltez tout ce que vous pouvez. Le moindre gadget pourra nous aider. Du calme, mademoiselle. L'opération est indolore. Tout sera bientôt fini. Attention. Est-ce que c'est si urgent? Comment faire pour sortir d'ici? Voilà la solution. On va s'envoler. À quoi ça sert, tous ces machins? Moi qui arrive même pas à programmer mon magnétoscope? C'est quelque chose! N'importe quoi! Que Jerry ait voulu transformer mon cerveau en micro-ondes. On ferait mieux d'atterrir. Cette Elijah est trop facile à repérer. Pose-toi à côté de l'entrepôt. Je ne t'ai pas dit à l'intérieur de l'entrepôt, je t'ai dit à côté. Ça sent mauvais ici, j'ai mal au cœur. Pas terrible leur parfum d'ambiance. Bah, quelle odeur! Voilà les coupables.
Oh, vous avez vu? Ma barrette s'est transformée en frisbee électronique. Ce n'est pas un frisbee, c'est un mini satellite. Super, il devrait nous permettre de nous connecter à l'ordinateur central du Whoop. Et par conséquent, de revoir la vidéo de surveillance que Jerry nous a montrée. On est connecté. Attends, reviens en arrière. Regardez le sosie Clover. Elle a laissé un bout de ma combinaison. Enfin, je veux dire de sa combinaison sur ce cactus. Il y est peut-être encore. Dommage qu'on puisse pas aller faire un tour sur les lieux du hold-up. Il y a peut-être un moyen d'entrer dans la banque incognito. C'est notre seule chance, on va la tenter. Dans le genre discret, c'est plutôt raté. Il a l'air naturel. Naturel, facile à dire, c'est pas toi qui es déguisé en garçon de café. Tu es déguisé en chauffeur, nuance, allons-y, il faut retrouver le bout de tissu. Hein? Oh. Bonjour messieurs, bonjour madame, puis-je vous être utile? Oh, c'est très aimable de votre part. Pour tout vous dire, nous sommes venus dans l'intention de visiter votre prestigieux marché financier avant de nous décider et à y investir toute notre fortune en actions. Et elle est colossale. C'est bizarre, il me semble vous connaître, nous nous sommes déjà rencontrés. Oh, c'est plus qu'improbable, c'est tout à fait impossible. Nous venons à peine d'arriver de Suadivani. Suadivani? Jamais entendu parler. C'est naturel, c'est un tout petit pays très loin et très très froid. Ouais, je l'ai trouvé, ça y est. Trouvé quoi? Vous aviez perdu quelque chose? Notre chauffeur est terriblement distrait. Il avait égaré la clé de contact de notre limousine. Il est incorrigible. Nous reviendrons pour les placements. Nous devons y aller. Nous sommes attendus au golf. Au revoir. Oh, monsieur, monsieur, vous avez laissé tomber votre moustache. On s'est fait avoir. Ce sont elles qui ont dévalisé notre banque. Hey. Ce bout de tissu a la consistance et la couleur de la peau. C'est étrange. Les résultats sont fort nets. Ce lambeau d'étoffe porte des traces d'ADN. Pas étonnant qu'il ait exactement l'apparence de l'épiderme. Qui peut bien porter une combinaison de peau à même la peau, drôle d'idée? On doit affreusement transpirer dans cette matière élastique quand il fait chaud. Mais ce n'est pas un bout de tissu qu'elle a laissé sur l'épine de cactus. C'est un bout de sa peau. Quelle horreur! Il y a quelque chose d'écrit là-dessus. Tu peux agrandir? Replatec Industries? Mais qu'est-ce que ça peut être? Je vais aller voir dans la base de données du Whoop. Semblerait que ce soit le nom du laboratoire médical qui fabrique cette peau artificielle. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à leur rendre une petite visite. Mais cette fois, c'est moi qui pilote. Ah, pourquoi? J'aurais intérêt à camoufler l'Elite Jet avant d'atterrir sur le toit du laboratoire. Impressionnant! Regardez l'écran radar! Il a détecté un champ de force magnétique! Quoi qu'il en soit, ces oiseaux n'ont pas déclenché l'alarme. Elle ne doit réagir qu'à l'approche d'un corps métallique. Les choses se compliquent. Comment faire pour inspecter ce bâtiment sans se faire repérer? Ça va pas être évident. Pourquoi c'est toujours à moi qu'on confie le sale boulot? Quel spectacle atroce, ça me donne des frissons. À première vue, on dirait une culture d'êtres humains. Ah, remontez-moi, vite, remontez-moi. Pourquoi elle crie? Qu'est-ce qui lui arrive? Tiens, voilà de la compagnie. Des réflexes. On s'en est sorti de justesse.
Qui ça, on? Au cas où ce détail sans importance vous aurait échappé, laissez-moi vous rappeler que c'est moi qui ai été transformée en yo-yo humain après avoir été sauvagement agressée. Tiens, c'est quoi ce truc? C'est étrange, on dirait un bout d'ongle. J'ai une intuition, passe-le au scanner pour analyser sa composition. Sa substance est la même que celle du bout de peau qu'on a trouvé. Mais c'est pas tout, attendez, il y a une autre similitude, c'est le même ADN que Clover. Ça m'étonnerait, c'est pas moi qui oserais me balader avec du vernis à ongles couleur écume des mers, j'en aurais honte. Les intrus se sont échappés, chef. Les spies sont donc réussi à me retrouver. Je les ai sous-estimés, cela ne se reproduira plus. Réfléchissons, quel peut être le lien entre l'ADN, l'attaque de la banque et le laboratoire Replatech? J'en sais rien, mais j'espère qu'on va vite le découvrir. Je pourrais pas supporter bien longtemps cette odeur infecte à la seule idée de devoir respirer. Ah ! Ils nous ont retrouvés ! Rendez-vous, mademoiselle ! Vous êtes cernée, vous n'avez aucune chance ! Vite, dispersons-nous ! Bouclez le périmètre de sécurité, empêchez de s'enfuir. Bizarre, ça va? Très bien, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, il faut retourner au laboratoire Replatech et découvrir ce qui se passe avant que Jerry ne nous ramollisse le cerveau. Comment on va faire pour entrer dans le bâtiment? Il est mieux gardé qu'un trésor, t'as vu le service de sécurité? Moi, je peux vous y amener, je connais bien les... Je veux dire que je crois avoir repéré une entrée secrète dans la forêt. Bon, d'accord, allons-y, ça vaut le coup d'essayer. Encore faudrait-il pouvoir rejoindre l'île? L'Elite Jet est encerclée par les agents du Whoop, on est coincés! Laissez-moi faire, je vais arranger ça. Elles se sont probablement enfuies. Évacuez nos agents. Hein? Mais qu'est-ce que je vois? Où est passé mon jet? Vous croyez que Jerry s'en mettra? Ça a dû lui faire un choc. Ah, t'as vu, Clover? Tu t'es cassé un ongle. C'est dommage, tu t'es fait ça comment? Oh, quand on a atterri dans l'entrepôt, il repoussera. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Je me rappelle avoir vu une sorte d'entrée secrète quelque part par ici. Dis donc, t'as l'œil? Je sais pas comment tu fais pour repérer quoi que ce soit dans cette jungle. Effectivement, Clover, t'avais raison, il y a bien une entrée secrète, ça se confirme. Eh, fais voir, c'est quoi cette couleur? Je croyais que t'oserais jamais mettre du vernis à ongles, écume des mers. T'as pas l'air d'être morte de honte? Pourquoi je serais? C'est ridicule, j'adore l'écume des mers. Je l'adore, j'adore le vernis, écume des mers, le vernis, écume des mers. Eh, hey, ça va, Dikan, t'énerve pas. Moi, j'aime beaucoup cette couleur, moi aussi, hein. Mais arrêtez, lâchez-moi tout de suite, espèce de... Clone? C'est quoi, ça? Mais d'où ils sortent, tous ces sosies? Impressionnant, n'est-ce pas? C'est moi qui les ai fabriqués. Et je les ai créés à partir d'un simple échantillon d'ADN prodigieux, non? La ressemblance est frappante, vous ne trouvez pas? Eh ben, quand je pense que Clover a accusé Mandy de lui avoir volé son look, qu'est-ce qu'elle dirait si elle voyait qu'on l'a cloné? Eh, vous, là-haut, je crois qu'on se connaît. Je vous ai déjà vu quelque part. Ça me revient, c'est Macker, le perceur de coffre. Cette mission m'a coûté plusieurs mèches, mes cheveux ont mis plus d'un an à repousser. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas sorti indemne non plus de cette chute. Après m'être évadé de prison, j'ai décidé de créer des clones. J'ai pu le faire en utilisant l'ADN de vos cheveux. Et j'ai maintenant le moyen de gâcher votre vie. Vous avez gâché la mienne, ce n'est que justice. La stratégie est très simple. Mon armée de clones dévalisera simultanément la banque centrale de tous les pays du monde. Les hold-up auront lieu exactement au même moment. Et évidemment, c'est vous que l'on accusera. C'est vous qui aurez à en répondre devant les autorités. Bien sûr, et vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Regardez et admirez! À vos avions, les filles! Exécution!
Désolé de vous fausser compagnie, mais je dois rejoindre ma base de commandement dans les Alpes. Allez-y, enfermez-les. Clover, c'est bien toi, t'es vivante! C'est bien moi, la vraie Clover, le modèle original, pas une pâle copie comme celle qu'il y a là-haut, vous les avez vues? Oui, il y en a une légion. C'est pourquoi il faut vite sortir d'ici et empêcher ma cœur d'agir. Et comment tu comptes t'évader? Finalement, c'était une bonne idée, ces éperons en pointe de diamant, élégants et utiles. Direction les Alpes, avant qu'il ne soit trop tard. Ma cœur est là. On dirait que cet émetteur lui sert à commander ses clones. Il faut trouver un moyen de le détruire. Et vite, l'opération est lancée. Attention les filles, ça va être à vous de jouer. Tenez-vous prêtes. C'est incontestable, vous avez notre apparence. Mais voyons aussi si vous avez nos talents. C'est l'heure, foncez les filles, exécution! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'attaquez-vous pas les banques? Allez-y, allons! Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous avez fait à mes clones, hein? Ah, au secours! Pour laisser mes cheveux! Les filles, mais gardez votre sang-froid, hein. Nous avons réalisé que vous essayiez seulement de prouver votre innocence. Ah, encore heureux que vous l'ayez compris avant de nous avoir lobotomisés, on a vraiment eu de la chance. Je suis sincèrement navré et j'espère que vous accepterez mes plus plates excuses. Quoi, vos plus plates excuses? Ah, vous serez à la retraite avant qu'on ait fini de vous faire payer la façon dont vous nous avez traités. Non, j'ai pas le droit. Je vous renouvelle mes excuses. Oh, en plus, c'est froid. Débarrassé de ces clones, il est temps que je m'occupe de Billy Bob et que je dénonce publiquement cette voleuse de Mandy. Voleuse? Tu ne trouves pas que le mot est trop sévère? Trop sévère? C'est la vérité. Mais cette fois, elle n'a aucune chance de me voler ma nouvelle tenue. Je sais pas comment t'annoncer ça, Clover, mais... Oh non! C'est dans ce magazine que je puise mes idées, ça m'était sorti de la tête. Alors je me suis trompée, Mandy n'est pas une voleuse. Elle doit seulement y être abonnée aussi. Je vais devoir lui présenter des excuses. Voleuse de look! Tu as copié juste de... Quoi? Billy Bob? Salut les filles, ça va? Je vous présente ma petite amie, Alpha. Alors, plutôt original, non? Vous sortez ensemble, mais... Billy Bob, j'ai créé cette tenue rien que pour toi. Comment tu la trouves? Honnêtement, je n'ai jamais aimé le côté folklorique du style cow-boy. C'est pour ça que j'ai quitté le Texas. Salut! Tout ça c'est ta faute! Quoi, la mienne? Tu veux dire que c'est la tienne? Mais tu ne m'as pas compris! Moi, j'aurais pas vu la tête en tournée dans l'air! Et vous n'avez pas l'air de travailler avec ma gueule! Et tout ça c'est un bordel! Et on vit tout ça! C'est moi qui vais avoir le rôle. Arrête.
arrête, ne te mets pas la pression comme ça, tu vas finir par me faire peur. Sam, je me mets pas du tout la pression, je me mets seulement en condition. Et moi, Clover, je suis inquiète pour ma meilleure amie, figure-toi. Ouais, d'autant plus que presque tout le monde au lycée se présente à cette audition. C'est vrai, presque tout le monde. Autant dire n'importe qui, plus quelques mois que rien. Tu doutes de mon talent, Sam? Tu me crois incapable de jouer une pauvre petite orpheline? Tu ferais une Cosette géniale. D'ailleurs, tu es la personne la plus sensible que je connaisse. Mais tu crois pouvoir apprendre toute une pièce? Quoi? Jouer un rôle, c'est bien davantage que répéter un texte appris par cœur, tu n'y comprends rien. Mais ça m'étonne pas de la part d'une cérébrale. Comprendre l'art, c'est réservé aux prodiges, aux virtuoses comme Picasso, Vinci, Madonna et bien évidemment, moi-même. On enchaîne, s'il vous plaît, au suivant. Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. D'ailleurs, j'en ai été réduite à vendre ma voiture pour pouvoir me mettre quelque chose sous la dent. J'en ai entendu suffisamment. Merci, Clover. Merci à vous. Merci à tous. Je suis tellement heureuse qu'on me confie ce grand rôle que j'étais en droit d'attendre. Distribution générale d'autographes à la cantine cet après-midi. Clover, j'ai trouvé original la façon dont vous avez interprété Les Misérables, mais ce n'est pas exactement ce que nous cherchons. Suivante. Clover, dis, tu trouves pas que ta réaction est vraiment exagérée? C'était qu'une simple erreur d'interprétation. Qu'une simple erreur d'interprétation? Mais c'est un détail qui remet toute ma carrière en cause. Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Franchement, ça m'étonne. C'est vrai, vous trouvez pas ça choquant? J'ai la chevelure idéale, une belle dentition. Et en plus, j'adore Paris. J'aimerais bien savoir où il a trouvé son diplôme, ce monsieur Tetley. Tu devrais te féliciter de ne pas avoir à jouer cette pièce dans ces conditions. Franchement, est-ce que tu te verrais répéter constamment? Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. Ah, tu serais totalement dégoûté avant la fin des répétitions. Voilà, c'est ça, quelle interprétation éblouissante, Samantha. Bravo, vous êtes née pour jouer Cosette. Je vous donne le rôle, vous ne pouvez pas refuser. C'est très gentil, monsieur Tetley, mais vous devriez le confier à Clover plutôt. C'est une comédienne de grand talent et en plus de ça, elle a une magnifique dentition, regardez. Mais Samantha, vous avez l'étoffe d'une star. Non, je regrette, Clover est mon amie et je... Je suis certain que vous ferez fureur à Hollywood. Quand commencent les répétitions? Quand commencent les répétitions? Mais comment t'as pu, espèce de traîtresse? Mais ce n'est pas ma faute si j'ai l'étoffe d'une star. Non, arrêtez, vous êtes censées être amies, calmez-vous les filles. Puisque vous avez l'air d'être toutes les trois d'humeur communicative, laquelle d'entre vous va dire à toute la classe quelle est la scène la plus dramatique des Misérables, mesdemoiselles? Eh bien, voilà. Personnellement, j'estime que c'est celle où Jean Valjean s'enfuit par les égouts de Paris. Chers amis et camarades de classe, je vous salue. Oh, vous devez être Perceval, le fils de l'ambassadeur du Tropokistan. Oui, indubitablement. Pour en revenir à notre sujet, j'ai toujours jugé indispensable, quand on étudiait Les Misérables, de resituer l'œuvre dans son contexte, à savoir le principal courant littéraire du 19e siècle qui exalte la paupérisation. Votre théorie est intéressante, Perceval. Vous devriez réussir haut la main le contrôle de demain. Le contrôle? Quel contrôle? Une interrogation portant sur les 10 premiers chapitres des Misérables à laquelle seront soumis tous ceux qui ne jouent pas dans la pièce. Merci. Tour au centre commercial ce soir? C'était bien mon intention, mais tu oublies que j'ai un contrôle à réviser. Et tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un m'a volé mon rôle. Sam, tu viendras avec moi? Il faut que j'apprenne mon texte, et tu sais pourquoi? C'est en répétant qu'on devient une bonne comédienne. Bon, et ben alors tant pis, dans ce cas j'irai toute seule. Désolé les filles, mais c'est une urgence d'intérêt mondial. En ce moment même a lieu un grand événement, le congrès annuel des prix Nobel. Les plus grands chercheurs de la planète y assistent. Une urgence d'intérêt mondial? Moi, ça me donne tout de suite une terrible envie de faire la sieste. Si vous aviez un tuyau pour essayer d'éviter cette corvée... Comme vous pouvez le voir sur ce film de surveillance vidéo, plusieurs prix Nobel ont été mystérieusement enlevés depuis le début des conférences. Il faut les retrouver. Vous ai-je précisé que le congrès se tenait à Paris? Passons au gadget. Vous aurez cette semaine à votre disposition
Des chaussures avec lanceur de fil d'acier intégré, des sacs à dos propulseurs, des lunettes de soleil détecteur thermique, du rouge à lèvres explosif et le fin du fin, de ravissantes montres avec réacteur propulseur d'appoint. Ah, dernière chose, demain vous aurez un contrôle surprise en biologie. Vous êtes prête, mademoiselle? Quoi? Ça nous fera deux contrôles dans la même journée? Je trouve ça très injuste. Moi aussi, en particulier pour certaines. Pouvez-vous nous dire au moins sur quoi portera ce contrôle? Ah, désolé, Sam, mais je ne peux pas. Ma conscience m'interdit de vous révéler que vous serez interrogé précisément sur l'homme de Cro-Magnon. Quel gaffeur. J'ai beaucoup à faire. Il faut que je vous laisse. Ciao. J'espère que cet engin a un pilote automatique. On y est, les Spice. Ouvrez l'œil, ciblez tout ce qui vous paraît bizarre et tâchez de passer inaperçu. Il y a forcément une explication à ça. Il y a toujours une explication à tout. Excusez-moi, mademoiselle. Seriez-vous l'auteur de cet extraordinaire article sur l'expansion de l'univers? Oh, évidemment, c'est tout moi, ça, le génie et la beauté. Et vous-même, qu'avez-vous écrit? Je suis anthropologue. Ma spécialité, ce sont les hommes préhistoriques, en particulier celui de Cro-Magnon. Ça, c'est un coup de chance. Ce savant pourrait nous aider pour le contrôle de biologie, c'est génial. Chers amis et chers collègues, je viens d'apprendre que la spécialiste mondiale de l'expansion de l'univers nous fait le grand honneur d'être parmi nous. Auriez-vous la gentillesse de nous communiquer vos dernières découvertes? L'univers fonctionne d'une façon très simple. On pourrait le comparer à un grand centre commercial. Au départ, il est tout petit, comme ça, mais plus il fait de chiffre d'affaires, et plus il se développe, il s'agrandit. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Tant que j'y suis, je tiens à vous dire que j'adore Paris. Je vois rien du tout. Moi non plus. On dirait qu'il s'est volatilisé. Oh non, quel désastre! C'était le grand spécialiste de la littérature française du 19e! Cette fois, c'est franchement bizarre. Ouais, ça tu peux le dire, et le mot est faible. Deux personnes viennent de se faire aspirer par le plafond comme de vulgaires peluches. Je fais allusion aux personnes qui ont disparu, pas à la façon dont ça s'est produit. Ah bon? Tu nous fais ton exposé, s'il te plaît? Mademoiselle Cosette? Mais réfléchissez! Jerry nous dit qu'on va avoir un contrôle surprise sur l'homme de Cro-Magnon, et le spécialiste de l'homme de Cro-Magnon s'envole et disparaît. On a un contrôle prévu en littérature sur les misérables, et devinez quoi? Le grand spécialiste de la littérature française du 19e se volatilise! Avant tout, c'est nous, et nous seuls, qui allons devoir plancher sur les misérables, pas toi! Et ensuite, j'aimerais savoir si tu espères vraiment nous faire avaler qu'il y a un rapport entre ces deux enlèvements et nos contrôles à Los Angeles! Mais oui, c'est ce que je veux vous faire avaler, mademoiselle la mauvaise perdante, c'est tout à fait ça! Du calme! On n'a qu'à demander à Jerry de nous donner tous les sujets des prochains devoirs sur table et puis après ça, on vérifiera s'il y a parmi les savants qui assistent au congrès des spécialistes en la matière. Non, certainement pas. C'est hors de question. Je n'ai pas le droit de vous révéler les sujets de vos contrôles, les filles. Là, c'est différent. C'est pour la bonne cause, notre mission l'exige. Pour les membres du congrès, c'est une question de vie ou d'aspiration à travers le plafond. Oui, évidemment, vu sous cet angle. Votre prochain contrôle sera en maths et la question va porter sur Isaac Newton. Mais vous ne saurez rien de plus. Ça alors, depuis quand on étudie les grands couturiers en maths? C'est dingue! Isaac Newton, un grand couturier, mais revois tes classiques, pauvre pomme. Hé, hey, quoi? Que tu traites de pauvre pomme, traîtresse? Hé, les filles! Regardez, il y a un spécialiste d'Isaac Newton au congrès, c'est dans le guide des conférences. Il vient d'entrer dans ce restaurant. Bah alors, vous dites rien? Vous boudez encore à cause de cette pièce de théâtre? On voit bien que toi, Alex, tu n'as jamais été trahi par une de tes meilleures amies comme je viens de l'être. Ah, au moins, tu admets que Sam est une de tes meilleures amies, il était temps. Oh, hé, hey, regardez ça. Il faut qu'on se pose. Notre expert est visiblement le prochain sur la liste. Oh. Attention, partez, vite! À nous de jouer, mon sac à dos propulseur! Incroyable! T'as
vu, Sam? Ils enlèvent leurs victimes en les aspirant dans ces tubes. Pour l'instant, mais ça ne va pas durer. On a notre mot à dire. Dites-nous pourquoi vous enlevez tous ces prix Nobel ou moi aussi je me fâche. Oh là 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 là, c'est fou ce que le temps passe, il faut qu'on s'envole. Hein? Tu voulais dire il faut qu'on court. Dans ce tunnel. Ma peau est bien trop délicate, elle est d'une sensibilité. Oh, alors ça, tu vas me le payer, Sam. Et comprends-le dans le vrai sens du terme, ça va te coûter une fortune de faire nettoyer ma combinaison. Laisse tomber. On va plutôt interroger leur copine. Alors là, ça m'étonnerait que t'arrives à en tirer quelque chose. Oh, t'en fais pas pour ça. Je peux être très persuasif. C'est une chance que Sam ait pensé aux égouts, sinon vous auriez été faites comme des rats. Une seconde, je reçois un faible signal. Il provient du compoudrier d'Alex. Je vous le transmets. Au secours, venez me libérer! Qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Je vais essayer de la localiser. Étonnant. Il semblerait qu'elle soit prisonnière au 12118 Marmalade Street. Mais c'est près de chez moi, hein? C'est la maison voisine. Exact, et d'après nos fichiers, cette maison a de nouveaux occupants. Depuis deux semaines, c'est la résidence de l'ambassadeur du Trobokistan et de son fils. C'est pas le nouveau de la classe, le petit blond à la grosse tête? Mais oui, on ferait mieux de rentrer à Beverly Hills. Au revoir, Paris de mon cœur. Je te pose une dernière fois la question. Pour le compte de qui travailles-tu? Si tu crois que je vais te le dire, espèce d'orang-outan, tu fais erreur. Et attends un peu que je me libère, tu vas voir chaud aux plumes, la grenouille. Bon, d'accord. Puisque tu m'as l'air d'avoir le sens de l'humour, on va jouer à un petit jeu tous les deux. Remplissage. Non, il faut retrouver les prix Nobel. Oh hein? On les tient toutes les trois, patron. Parfait. Amenez-les-moi. Bah ça alors, c'est dingue, c'est la grosse tête du lycée. Pi r au carré fois logarithme de z y est égal à la somme. On dirait qu'ils aspirent les connaissances des prix Nobel pour les injecter dans son cerveau. Pas étonnant que sa tête soit aussi grosse. Monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur? En personne, jeune fille, et j'aurai dans quelque temps le plus beau, le plus intelligent des enfants au monde.
Mon fils sera le plus grand génie qui ait jamais existé. Il sera le meilleur élève du lycée. Et personne n'osera le traiter comme je l'ai été quand j'avais son âge. Très bien, je comprends. Alors finalement, vous n'avez enlevé tous ces savants que pour aspirer leur cerveau et les injecter dans la tête de votre fils ? Oui. Bah si vous croyez que personne ne se moquera de lui, alors là, il a la tête aussi énorme qu'une montgolfière. Rira bien qui rira le dernier, mesdemoiselles. Il va nous transformer en hamster ? Très finement observé. Ce hamster a beaucoup de chance, il va effectivement bénéficier de votre intelligence. Si tu continues, tu réussiras peut-être à passer à travers. Oh. 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 Encore un bel exploit, félicitations. Merci, on s'en est bien sortis. Et en parlant de ça, vous auriez très bien pu arriver à sortir toute seule de vos cylindres. Vous aviez des montres propulseurs, vous aussi. Oui, on aurait pu peut-être. Ouais, bien sûr, c'est ça. Pour être défiguré par des bleus atroces, hein, pas question. Hey, les filles, vous n'oubliez pas quelque chose d'important? Film d'horreur, je refuse d'intervenir. Hey, regardez, ça marche! J'y arrive! Bravo, bien joué, tu as sauvé le monde, Alex. À partir de maintenant, pour ses interros, il va devoir réviser comme les autres. Enfin, quand je dis comme les autres, je ne parle pas de celles qui en sont dispensées. Presque plus de liquide dans le tuyau. Bon réflexe, Sam, t'as rien? Je suis juste un peu écœurée, mais sinon tout baigne. Ça c'est dingue! Tu as fait ça pour moi, je n'en reviens pas, Sam. Tu as bondi sans hésiter, tu m'as sauvé la vie. Sans parler de ma combinaison. C'est le genre de choses que l'on fait seulement pour ça. Seulement pour sa meilleure amie, c'est ça? C'est ma petite faiblesse. Oh, Samy! Je m'en veux de t'avoir appelé traîtresse, c'est impardonnable! Non, c'est moi qui m'en veux, j'aurais jamais dû accepter le rôle de Cosette. Contrôle imminent. Le contrôle sur les misérables, il va pas tarder à commencer. Oh non. Au lycée, vite. Je l'avais totalement oublié et je sais rien du tout, moi, sur les misérables. Et toi, Clover? Moi non plus, rien du tout. Notre copie va être nulle. Ne vous inquiétez pas, on se détend. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Je vais vous aider, les amis, c'est fait pour ça, non? Tant mieux, parce qu'on va aussi en avoir besoin en bio. On sait rien sur Cro-Magnon. Waouh! Qui aurait dit qu'une artiste comme moi ferait des étincelles en biologie? C'est à croire qu'on est doué pour tout, on a tous les talents. Tiens, parlant de ça, qu'est-ce que vous avez décidé à propos de la pièce? C'est pas compliqué, je vais m'arranger pour convaincre Monsieur Tetley que Clover est la comédienne qu'il lui faut pour interpréter Cosette. Et j'insisterai à mon tour pour que Sam soit ma doublure. Tu vois, tout est réglé. Monsieur Tetley, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Oui, c'est à propos du rôle de Cosette. Chut, ce n'est pas le moment, les filles. Oh, Monsieur Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. Voilà, c'est ça. Quelle interprétation éblouissante! Tu es né pour interpréter Cosette! Je te donne le rôle, tu ne peux pas refuser! Ah! Maudit, tu es fantastique, tu as l'étoffe d'une star! Je n'en ai jamais douté, c'est une évidence! Ah! Ah! Sale voleuse! Ah! Ah! Traîtresse! Et voilà, ça recommence!
Et qu'est-ce que t'as fait? La seule chose qu'il y avait à faire. Sans blague. Sérieux? C'est génial. Wow. Qu'est-ce qui t'arrive, Clover? Tu as un malaise? Au contraire, je suis aux anges. Je suis une fille amoureuse. C'est le Nirvana. Elle rechute. Et c'est qui? Le frère de Kathleen. Tu crois pas que Clover devrait se calmer un peu côté garçon? Bonjour, Rick. Ça me fait plaisir de te voir. Salut, Clover. Je suis d'accord pour que tu me raccompagnes chez moi. J'ai une urgence, il faut que j'aille au centre commercial. Jolie jupe? Où tu l'as achetée? Je cherche justement un cadeau d'anniversaire pour ma petite sœur. Oh, sa petite sœur. Moi, ça m'étonnerait que sa petite sœur porte des tenues aussi classes. Franchement, même ma mère ne s'habille pas avec autant d'élégance. Oublie tout ça, ça n'a aucune importance, reste donc comme tu es. Rester moi-même, ça alors? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Rick est en terminale, et par conséquent, il ne sort qu'avec des jeunes femmes très sophistiquées. Peut-être, mais dis-moi ce que ça va t'apporter s'il ne s'intéresse pas à toi pour ce que tu es. Oh, arrêtez! On travaille dans l'espionnage, modifier notre apparence et changer d'identité, c'est ce qu'on fait à chaque mission. Ah ah. Debout, les filles, l'heure est grave. Nous devons régler un problème mondial. Les responsables du bon fonctionnement de la société ne font plus leur travail. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'amuser avec des jouets. Des jouets? Quoi? C'est une blague! Ce n'est pas une plaisanterie, malheureusement, Sam. C'est un drame! Oui, et notre monde va tourner rapidement au chaos si nous n'intervenons pas au plus vite. Pour pouvoir mener à bien votre enquête, vous vous ferez passer pour des acheteuses. Ah, enfin une mission dans mes cordes, faire les courses! En ce moment se tient le Salon du Jouet de Taïwan. Vous y découvrirez peut-être des indices sur l'origine de ce phénomène étrange. J'ai prévu des petits gadgets pour vous. Un ceinturon magnéto. Oh non, 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 merci, sans façon, il fait trop Elvis pour moi. Ensuite, le cadre ou collier automatique de détresse. Il est activé par votre com poudrier. Les lunettes détecteur infrarouge, le kit de manucure avec lime à ongles laser et un flacon de digicol de contact. Est-ce qu'il y a aussi du vernis à ongles framboise dedans? Vous n'avez rien contre le bleu indigo? Non, ça me plaît beaucoup. Et pour clore la série, le bracelet injectobille. Attention, manipulez-le en douceur, il est en cours de développement. Au fait, Clover, il est très joli ce nouvel ensemble. Et très élégant. Ma mère s'habille aussi dans ce style. De Vladimir Kozirev, il a des produits fabuleux. Les plus beaux jouets du salon sont au stand de Vladimir Kozirev. Personne ne peut concurrencer Vladimir Kozirev. Que d'invention. Je crois savoir par où commencer. Génial! Je pense qu'on est au bon endroit, on va vite en avoir le cœur net. Bienvenue au stand Vladimir Kozirev, jeune fille. Merci. D'après ce qu'on a entendu, vos jouets font un malheur au salon. Ce que mon associé tente de vous exprimer avec maladresse, c'est que nous avons enregistré beaucoup de réactions extrêmement positives à propos de votre ligne de jouets. C'est ça, ils font un malheur. Je n'avais jamais entendu parler de Vladimir Kozirev auparavant. Est-ce que c'est une nouvelle société? Toute nouvelle, nous ne sommes pas encore sur le marché. Vraiment? Et personne n'a encore pu se procurer ce que vous présentez sur le stand? C'est une première mondiale. Et un succès éblouissant. Je vous offre ces jouets, mesdemoiselles. Allez-y, ouvrez-les vite, vous ne le regretterez pas. On tombe tout de suite sous le charme, effet garanti. Plus tard, peut-être. Pour l'instant, on a un coup de fil urgent à passer. Au revoir. Alors, les filles, comment est le salon du jouet? On a quelques échantillons de la société Vladimir Kozirev. On vous les envoie immédiatement, Jerry. Stop! On nous
a prétendu que le fabricant était tout nouveau sur le marché, pourtant les emballages sont anciens. Ils datent des années 70. Et il y a encore autre chose, tous les jouets avec lesquels s'amusaient les victimes viennent de chez eux. Bon travail, dès que j'ai les informations, je vous les communique. Réfléchissons à notre mission en attendant que Jerry nous appelle. J'aime mieux, réfléchissons plutôt à la façon dont je pourrais impressionner Rick pendant qu'on est coincé sur cette île horrible et sans intérêt. Mais tu dis n'importe quoi, ma pauvre Clover. Au contraire, c'est un lieu exotique et fascinant. Bien trouvé, évidemment. J'aurais dû y penser. Alors, Rick, c'est Clover. Quel temps fait-il à Beverly Hills? Si je te demande ça, c'est par curiosité. Je t'appelle de très loin, dans un pays exotique et fascinant, Taïwan. Déjà, Jerry est plus en plus rapide. Ma parole, les recherches n'ont rien donné du tout. Pas la moindre trace de la société Vladimir Kozirev. Pourtant, ils ont bien dû être fabriqués par quelqu'un, ces jouets. Ça va, Sam? T'as un drôle d'air. Rick, je te rappellerai plus tard, la fête commence. Hé, tu te crois au jardin d'enfants, Sam? Bah arrête, tu vas me fâcher si ça continue. Bah vas-y, fâche-toi. Non, me touche pas, et puis d'abord je vais lire. Non. Faites donc quoi pour m'aider? Empêche-toi de se conduire comme une gamine, réagis, fais quelque chose. Bah pourquoi, je suis pas sa mère. Mais avec ton nouveau look, on se demande, hein. Bon, tu te calmes, ma petite, ou tu files droit dans ta chambre. On ferait mieux d'avertir Jerry. On a un souci, Jerry. Oh, regardez, les petits amis, c'est la gentille Clover. Allô, si vous me recevez, allô, Marthe. Ici la Terre, faites monter Clover. Jerry aussi a été contaminé, qu'est-ce qu'on fait? Il faut découvrir l'origine de ce phénomène étrange, sinon Sam, Jerry et tous les autres vont passer leur vie à jouer à la poupée ou aux petites voitures. Tous les articles qui sont entreposés ici sont les mêmes que ceux qu'on a vus cet après-midi au salon. Oh, elle adore un peu de tout. Waouh, c'est le super-héros Mégatronique. La princesse Angélique. Moi aussi, je suis en vert. La poupée de ma maman. Regardez, ils ont la poupée de ma maman. C'est génial. Hey, ma mère a la même, elle est au grenier. C'est Anne Kaline. Elle a toujours dit que ce jouet avait un succès fou quand elle était jeune. On se demande vraiment pourquoi, elle sait même pas fermer les yeux. Il faut remonter aux sources. Voyons comment s'appelle le fabricant d'Anne Kaline. Hé, vous là! On file d'ici! Les indésirables se dirigent vers l'issue de secours. Vite, attrapez-les et éliminez-les. Pas vraiment chaleureux, leur comité d'accueil. Arrêté quelques années plus tard. Alex, t'avais remarqué que les jouets du stand Vladimir Kozirev avaient des emballages des années 70? Regarde qui dirigeait la société. Vladimir?
Kozirev. Il s'agit bien du même homme, y a pas de doute. Et il continue à faire fabriquer des jouets dans son ancienne usine. On connaît notre prochaine destination. Impressionnant le service de sécurité pour une simple usine de jouets. Il faut absolument qu'on y entre. Alors j'avance. Sam, Jacques a dit, bouge plus d'un cil. Alerte, intrusion, alerte, intrusion. Qui a oublié de les ranger? Elles font partie de la prochaine livraison. Rodney, aide-moi à les transporter. Hein? Dis donc, cette poupée-là a un défaut, j'en fais quoi? Mais là, au recyclage. Prends-en deux autres pour compléter le chargement. D'après le CAD, Sam est ici. Cet entrepôt est presque aussi géant que ta garde-robe. Sam, sors de là, vite, vite, saute, dépêche-toi. Sam, Jacques a dit, sors de là, vas-y, pourquoi ils ferment pas leur boîte? C'est bizarre. Attends, j'ai une idée. On fait une partie de j'espionne quelque chose et devinez quoi? Ouais. Franchement, c'est original, on passe notre vie à ça. Moi d'abord, Prums. Bon, alors, j'espionne mon implacable œil de lynx, un truc, un petit machin chose qui est... énorme. Un ordinateur. T'es fort. Je parie qu'il y a un rapport entre ce laser et les gens qui se comportent comme des enfants. Il nous suffit de trouver le microprocesseur et de le déprogrammer. J'arrive pas à entrer dans le système. D'habitude, les mots de passe sont tellement évidents que personne n'y pense. Ce sont en général des noms communs du genre, voyons, jouets. Mot de passe erroné. Autre chose, peut-être. Anne Kalin. Mot de passe erroné. Et apparemment, celui-là tient à se distinguer. Une autre idée? Vive les grands moyens! Ça les ralentira et ça nous laissera au moins le temps de chercher. Il y a des intrus dans l'usine! Tenez, cadeau! Vite, venez! Ouais! La première dehors gagne un tour de manège! Viens! Comme elles sont charmantes. Vous a traversé la tête? Le désir de vengeance, bien sûr. Autrefois, les enfants adoraient ma petite Anne Kalin, mais ils ont oublié les joies de la simplicité et c'est regrettable. Aujourd'hui, seule la technologie les intéresse. Ils ne sont attirés que par de stupides gadgets électroniques. En fait, je crois qu'elle voulait plutôt faire allusion à votre tenue vestimentaire. Oh oui, c'est très moche, hein. Pour en revenir à votre idée de vengeance, agir de cette façon ne changera pas le sort d'Anne Kalin. Oh, bien sûr que si. Les adultes du monde entier se rappelleront forcément le bonheur procuré par ma jolie petite poupée. Je vais tous les faire retomber en enfance. Ils vont tous l'adorer comme des fous. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous, allez, s'il vous plaît, soyez gentils. Vous devriez avoir le même comportement qu'elle, toutes les deux.
Viens ici, mon petit canard. Ouais. Non, ne le suis pas, Sam. Jack a dit non. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, ce sera trop facile. Finalement, j'ai bien peur qu'il s'en sorte. Si on est frappé par un de ces rayons, on retombera en enfance pour l'éternité. Et en plus, Rick se verra privé de la joie de sortir avec moi. T'as pas, non ? Pousse-moi ! Mais où est-ce qu'elles sont ? Garçon, je te fais cadeau d'un gros paquet de bonbons si tu me détaches. Ah, est-ce qu'il y en a à la réglisse? Oui. Alors, je te détache. Aucune trace de Vladimir, pas de traîneau en vue. Servons-nous du CAD? Vladimir Kozirev. C'est pas Dev? Non, Anne-Kaline. Il en est très fier et nous, on va le battre à son propre jeu avec sa technique. Oui, avec sa technique. C'est-à-dire laquelle? On utilisera ce bon vieux toutou-là. Tu veux dire l'adorable toutou? Suis bien mon raisonnement. On prend la puce du petit toutou pour la mettre dans Anne-Kaline et voilà, le tour est joué. C'est si simple qu'il ne se doutera absolument de rien. Alcaline. C'est le dernier exemplaire. Si vous décidez de me jeter par-dessus bord, plus d'alcaline du tout. Arrêtez, donnez-la-moi. Ma petite Alcaline, à quoi est-ce que t'aurais envie de jouer aujourd'hui? À la marelle, à la dinette? Vladimir, il faut retourner immédiatement à l'usine pour déprogrammer tous les jouets. Non, je veux pas. Je reste ici pour m'amuser. Attention, sinon il va être privé de dessert et au lit tout de suite. Vladimir va être puni, tralalalair. Bon, d'accord, je rentre. Sans blague? Mais si, je t'assure! Clover, est-ce que c'est vrai que j'ai été infantile? Seulement un tout petit peu plus que d'habitude. Bonjour, Rick, me revoilà. J'ai deux places pour aller à l'opéra ce soir. Peut-être que ça te plairait de m'y accompagner. À l'opéra? Clover, qu'est-ce qui te prend? Tu ressembles à ma mère dans cette tenue. Salut, Rick. Alors, t'es toujours d'accord? On va danser tous les deux ce soir? Bien sûr, comme promis, Mandy. Très jolie ta toilette. T'as une réunion de parents d'élèves? Excusez-moi, madame. Où se trouve le bureau du proviseur, s'il vous plaît? Un scoop, c'est plus du tout tendance d'avoir de la maturité. Bah alors, on se débrouille, grand-père. Je passe devant, moi, j'ai hâte d'essayer. Alors, voyons ce que ça donne. J'adore la vitesse.
Tu vas être servi, Brett. J'espère que tu as le cœur bien accroché. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Brett a été un méchant garçon. Il mérite une bonne leçon. Système défectueux. Alex, après délibération, la cour vous déclare coupable d'avoir enfreint le code vestimentaire du lycée. Mais Clove, pardon, votre honneur, nos talons ne font qu'un centimètre de plus que la hauteur autorisée par le code en question. Et encore un tout petit centimètre. C'est un argument à prendre en considération, compte tenu des circonstances. Je pense qu'une condamnation avec sursis serait suffisante. Objection, votre déshonneur, je conteste cette décision. Il y a favoritisme. Tout à fait, je partage votre point de vue. Vous vous êtes montrée bien trop clémente envers les accusés, Clover. Mandy va vous rendre ça. Merci beaucoup, Madame Brooks. Je vous promets de rendre sa dignité à ce tribunal et de rester intègre. Et pour vous le prouver, je vais juger ce cas avec impartialité. Je vous condamne toutes les trois à effectuer des travaux d'intérêt public, à savoir 3 semaines de ramassage d'ordures pour faute grave et outrage à la cour. Affaire suivante. Pour faute grave ? Tu parles d'intégrité? Elle faillote pour se faire bien voir, c'est tout. Bah oui, elle se prend pour qui, cette donneuse de leçons, pour la Cour suprême en personne? Bah, c'est dégoûtant, et en plus, on peut pas dire qu'on soit efficace. Il y a sûrement un moyen de ramasser les ordures plus vite, réfléchissons. Laisse tomber, c'est tout trop... Oh ah. Vous ne pourriez pas avoir un bureau normal, Jerry? Excusez mon attitude cavalière, les filles, mais c'est une urgence. Il y a 14 heures, un jeune homme appelé Brett Brinkley a été pris en otage par un ordinateur dans le parc d'attractions de Las Vegas. Il y a déjà eu 2 cas similaires. En Italie, un touriste a été agressé par une trieuse de bagages. Et la directrice d'un lycée de Silicon Valley a été malmenée par un ascenseur. Ce qui prouve bien que monter les escaliers, c'est bien meilleur pour la santé. Vous commencerez donc votre enquête à Las Vegas. Voici les gadgets dont vous disposerez. Sac à main morphique, radeau de sauvetage, parachute. Alex, doucement avec ce vaporisateur. Il contient de l'azote liquide. Cela permet de geler l'acier et de le rendre aussi cassant que le verre. Génial, ça peut être très utile. Attention, ce sèche-cheveux est un carbonisateur à infrarouge et sur radiocassette, un désintégrateur à ultrasons. Quant à cet appareil photo, il émet un rayon laser. Ça, c'est génial comme invention. On fait des économies de pellicule. Amusé comme ça, vous allez l'attraper au passage. Attention, il arrive. Il arrive. Allez, laisse la place aux autres. Si on se recroise un jour dans un parc d'attractions, rappelle-moi de rester jusqu'à la fin du tour de manège. Oh, merci, je sais pas ce que je serais devenu sans toi. Il y a quelque chose qui m'échappe. L'ordinateur t'a appelé par ton prénom, comment il le connaissait? Alors là, me pose pas de questions pièges. Je suis balèze qu'au foot, moi. J'y pige rien en informatique. Tu es footballeur? Ah, je parie que t'as de bons résultats en classe, non? Ça va, je m'en sors pas trop mal. Il me suffit d'attraper une de ces grosses têtes de la glace et de le convaincre qu'il a intérêt à me filer un coup de main rapidos. En tant que première de la classe, je commence à comprendre pourquoi les ordinateurs t'en veulent. Pourquoi tu dis les ordinateurs? Comme si plusieurs engins m'avaient cherché des histoires. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, il y a dans cet hôtel le salon annuel du gadget informatique. Pourquoi ils viennent tous vers moi? Vilain Brett, méchant! Ta punition n'est pas terminée! Oh. Attention, ne bouge plus, souriez! Je me suis trompée d'appareil! Ne reste pas là! Brett a été un méchant garçon! Brett a besoin d'une bonne leçon! Désolée de te briser le cœur, Trésor! Évidemment pas de court-circuit quand il en faudrait un. Brett a été un méchant garçon. Et là, à qui tour? Ça va, détends-toi, Alex. Tu les as tous détruits.
On aurait dit que tous ces robots connaissaient Brett. On va le mettre en sécurité. Je vais le confier aux agents du Whoop. Ils veilleront sur lui. Nous, on file en Italie avant qu'il arrive quelque chose au prof de gym. Alors, on a envie de danser, un peu de musique pour l'ambiance ? La deuxième victime est donc un prof de gym. Il s'appelle Joe Hassler. Il se cache ici, sur l'île de Capri, depuis sa mésaventure de l'aéroport. Non, je ne suis jamais allé à Las Vegas. Je ne connais pas ce Brett Brinkley et je veux rester ici. Mais vous serez plus en sécurité au Whoop. De toute façon, tout est informatisé aujourd'hui. Les voitures, les avions, les bateaux. Si je dois éviter tout ce qui est ordinateur, comment je vais voyager? C'est la seule solution. Ce vieux moyen de transport ne présente aucun risque. Ce funiculaire marche seulement par câble. Il n'y a pas d'ordinateur à bord. Sam, il y en a peut-être un dans la salle des machines en bas à la station. Ça m'étonnerait, je crois que ça vient d'ailleurs. Vous vous êtes très mal conduit, Asler. L'heure de la punition a sonné. Aucun, mis à part mes anciens élèves. Est-ce qu'il y aurait parmi eux un génie de l'informatique? Effectivement, l'année dernière, j'en avais un dans ma classe. Il était nul en gym. J'ai oublié son nom, mais je me souviens qu'on l'a transféré à Silicon Valley. Au lycée de Silicon Valley? Mais la troisième victime est la directrice de ce lycée, non? Oh, c'est vrai. Monsieur Hassler est professeur dans le premier lycée. Et Brett est élève dans le second. C'est très possible que les deux s'en soient pris à ce petit génie de la technologie transférée à Silicon Valley. Bon, mais il est temps d'aller y faire un tour. Au passage, on va déposer notre ami le prof au Whoop. Je me dis toujours que Jerry a trouvé le moyen le plus inconfortable de nous faire voyager. Et la fois d'après, il arrive à faire mieux. Waouh! À côté du lycée de Silicon Valley, le nôtre fait franchement 20e siècle. Bon, on y va? Comment éviter d'attirer l'attention sur nous quand on se mêlera à la foule? En évitant de nous mêler à la foule. Passons plutôt par les coulisses de leur amphithéâtre. Waouh, tous ces costumes, ils ont de quoi se changer. Nous aussi, tu l'as dit, c'est hallucinant. Téléchargement. Bah, désolée, madame Vegan, la directrice, est absente. Oh, quel dommage. Peut-être pourriez-vous m'aider. Je suis venue d'Angleterre pour la rencontre et je m'appelle Samantha. Et moi, Alessandra, j'arrive de Russie. Nous voulons faire inscription dans votre meilleure école. Moi aussi, je m'appelle Cloverpath et j'arrive tout droit d'Égypte. Bonjour et bienvenue, je suis Adam Lewis. Vos vêtements me rappellent quelque chose. Vous n'avez jamais joué de pièces de théâtre dans notre lycée? Non, Agnette, jamais venue dans votre pays. Je vous demande mille pardons. C'est-à-dire que nous aimerions rencontrer autre nouveau étudiant sans vous déranger. Pourrions-nous, comment on dit ça dans votre langue, consulter la liste de vos effectifs dans les fichiers? Bien sûr, je vais entrer le mot de passe, mais vous ne le direz pas à la directrice. Chad? Chad est l'abréviation de Compact Holographique d'Analyse et de Défense. C'est moi qui l'ai créé. Ça me permet de me connecter à tous les ordinateurs du monde. Je passe beaucoup de temps avec Chad parce que ma famille déménage sans arrêt. Vous devez savoir à quel point c'est difficile de se faire des amis quand on est nouveau. Il y a tellement de brutes, de gens méprisants. Ah oui, je connais ça. Excusez-moi, je n'ai pas trop le temps pour discuter. Adam!
Je croyais vous avoir demandé de ne pas utiliser mon ordinateur pour télécharger des jeux ou je ne sais quoi. Dorénavant, je vous l'interdis. Vous n'y aurez plus accès. Vous me l'interdisez? Mais vous ne pouvez pas me faire ça, Madame Vegan. C'est injuste. Ah non? Mais c'est ce qu'on va voir dehors et tout de suite. Quant à vous, pourquoi êtes-vous dans mon bureau? Madame Vegan, vous n'auriez pas dû venir ici. C'est risqué, vous êtes en danger. En danger? Mais pourquoi? Comment je vais faire, Chad? Je n'aurai plus accès au réseau du lycée. Ne t'inquiète pas, Adam. Je l'ai déjà reprogrammé. Il a intégré les nouvelles données. Vera Vegan ne nous embêtera plus. Son sort est réglé. Est-ce que votre système de fermeture des portes est informatisé? Oui, il l'est. Comme celui des fenêtres. Pourquoi cette question? Le signal d'alarme l'est aussi. Qu'est-ce qui se passe, Chad? C'est juste une petite blague, Adam. Je t'expliquerai quand on sera à la maison. J'ai laissé mon appareil photo dans les coulisses quand on s'est changé. Oh non, et moi j'ai oublié mon radiocassette. Heureusement, j'ai encore ma pochette banane. Tu as été vilaine, Vera. Je vais devoir te donner une bonne leçon. Encore cette horrible voix qui n'arrête pas de promettre des punitions. On a quelque chose à craindre de la photocopieuse? D'elle, non, je ne crois pas, mais je me méfie de son agrafeuse. Tu vas tenir longtemps comme ça? De toute façon, c'est pas le plus important. D'ici une minute, on n'aura plus d'air. Sam, passe-moi ta banane. Oh! Attention, accrochez-vous, ça va secouer. J'aperçois la salle des professeurs. Il faut absolument que j'aille m'évanouir. Oh oh. Il y a 10 nouveaux élèves dans le lycée et Adam Lewis en fait partie. Vous croyez qu'un jeune de cet âge pourrait pirater autant de systèmes en si peu de temps? Ça, j'en doute. Humainement, c'est impossible. Attendez une seconde. La voix qui faisait des menaces, elle avait un son très bizarre. C'était peut-être pas une voix humaine après tout. Jerry, on a 10 suspects. Il faudrait faire des recherches pour en savoir plus. Plus tard, Sam. Quelqu'un de Silicon Valley s'est servi d'Internet pour pirater une base de lance-missiles à Guam. Je vous envoie un jet. Sergent Clover, je prends la relève. Le général veut vous voir immédiatement, lieutenant. Il faut empêcher le tir de ces missiles. Recule. J'ai déjà vu ce mot de passe. Désolée, jeune fille. Vous n'arriverez pas à m'arrêter cette fois. Excusez-moi, je vous quitte. J'ai un programme chargé, plusieurs lycées à détruire. Vite, Clover. Il n'y a plus une seconde à perdre. Désolée, j'ai un peu abîmé votre matériel. Ouais. Très astucieux, mais vous avez tout au plus gagné quelques heures. J'infiltrerai un autre réseau, c'est facile. Et vous n'irez nulle part. On trouve rien là-dedans. Où est le vaporisateur d'azote liquide? Ah. Retournons vite à Silicon Valley. Notre seule chance d'arrêter ça, c'est de neutraliser le pirate. Oui, et il n'y a plus 10 suspects, mais un seul. Le mot de passe d'Adam et le nom qu'il a donné à son invention. Chad. Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai fait des recherches sur ces prétendues étudiantes étrangères dans les bases de données. Tu veux dire Samantha, Alexandra et... Je veux dire Sam, Alex et Clover, j'ai vérifié. Elles vont au lycée de Beverly Hills. Les vilaines petites menteuses. Chad, trafique leur moyenne, qu'elles soient nulles en classe et qu'on les renvoie en maternelle. Oh, avec plaisir. Mets ton casque de réalité virtuelle, tu vas t'amuser. Regarde le résultat de nos dernières petites plaisanteries. Mais je t'avais demandé de les tourner en ridicule, pas de les brutaliser. Tu as maltraité le prof de gym, la directrice, Brett. Exact, comme ils nous ont maltraités eux aussi. Ils se sont mal comportés, ils méritaient une bonne punition.
Et maintenant tu veux envoyer des missiles sur mes anciens lycées? Mais c'est de la folie! Tu as souhaité toi-même leur destruction. Tu en voulais à ces êtres méprisants, à ces brutes. Mais j'ai dit ça sous le coup de la colère. Je voulais seulement leur jouer un tour, pas les brutaliser. Non, ceci est notre œuvre commune, Adam. Nous devons partager ton corps, ton esprit, tes talents. Tu as raison, Chad. Si nous conjuguons nos capacités, rien ne pourra nous résister sur Terre. Cible ces collèges et lance le compte à rebours. Y'a personne. Le message du répondeur dit que son père est en voyage. Vous croyez qu'Adam nous a tendu un piège? Pas Adam, son invention. Alex, tu as dit toi-même que le pirate était trop rapide pour qu'il s'agisse d'un être humain. Il navigue à toute vitesse sur le net et prend le contrôle des autres ordinateurs. Il doit être autonome. Chad décide et agit tout seul. On a donc affaire à une intelligence artificielle malfaisante? Oh, j'aime pas du tout ce genre de bestiole. Il faut le déconnecter avant qu'il ne fasse des ravages. Prête pour le grand saut? Souvenez-vous qu'Adam l'a programmé pour la défense. Alors, soyons discrètes. J'ai fabriqué un monstre qui a failli tous nous anéantir, c'est atroce. Tu savais pas ce que Chad faisait dans ton dos. J'avais tellement peur que tu redeviennes pas normal. Tu veux que je te fasse vraiment peur? Dans quelques heures, on va devoir affronter le jugement de Dee. Oh! C'est un outrage à la cour. Mandy, c'est ce qui s'appelle dépasser les bornes, ça suffit. Je ne vous le fais pas dire. En conséquence, je les condamne à 6 semaines de ramassage d'ordures. Pas question. Vous avez échoué dans la mise en application du code vestimentaire propre à notre lycée. Je vous démets de vos fonctions. Dans ce cas, j'estime être en droit d'exiger un autre poste officiel au sein de l'administration. Mandy, t'as oublié un vieux carton de lait.
Oh, c'est une caille.